Dans cette vidéo, je commente le speedrun de Mario Odyssey terminant le jeu en 55 minutes. Seulement, c'est pas simplement le record du monde, c'est mieux que ça. BTT, initial de Best Theoretical Time, c'est-à-dire le meilleur temps théorique. Pour faire simple, tous les meilleurs segments de la crème des speedrunners de la communauté de Mario Odyssey sont mis bout à bout pour se donner une idée d'à quoi ressemblerait une run parfaite. Bien entendu, avec une chance abusée, des déplacements méga risqués, sinon ce serait juste pas drôle. Même si tout est mis bout à bout, le concept est que tout ce qui est fait dans cette vidéo est faisable en run et conditions classiques. Il s'autorise aussi des d'heure de la console pour faire pousser des graines instantanément. Et de toute façon, je vous explique ça dans le commentaire. Oh, et si la vidéo finit par te plaire, n'hésite pas à t'abonner, merci. Du coup, on va bientôt partir pour le commentaire. Je vous propose qu'on parte dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc là, du coup, déjà, comme je vous disais, on est dans le menu Switch pour les manipulations de la graine. Je vous explique ça après. On est parti. Vous pouvez voir à gauche Cascade, Kingdom, enfin, vous pouvez voir les royaumes, etc. En bas à gauche, vous pouvez voir le timer, du coup vous pouvez voir le timer donc, qui va s'étendre sur toute la run et vous allez avoir aussi le timer pour simplement un royaume en particulier. Juste à droite vous allez avoir le runner, donc c'est donc le nom du runner dont on voit le segment à l'écran en même temps. Et donc du coup juste à droite vous allez avoir le nombre de lunes qu'on a par royaume sur le nombre de lunes nécessaires pour arriver au prochain royaume. Comme ça c'est assez clair. Et donc ouais, du coup sur la gauche vous verrez tous les royaumes. Et le speed time, c'est-à-dire le temps avec lequel on a terminé. Donc là déjà ça a commencé directement sur un spin pound, donc il faut tourner le stick et ensuite on saute, on fait sauter Mario, on re-appuie sur la gâchette pour faire redescendre Mario et on appuie sur Y et ça le fait partir très très rapidement. C'est vraiment la meilleure méthode pour faire partir Mario très très vite quand il a zéro de vitesse. Et donc comme d'habitude, comme dans les speedruns normaux, j'ai envie de dire, de Mario Odyssey, eh bien, la méthode la plus rapide pour se déplacer, c'est tout simplement les roulades, voilà, ici. Il y a quelques petites optimisations, notamment au moment d'activer le levier sur le pont, il a mis... Il a activé la vue à la première personne. Et en fait, le fait d'avoir activé la vue à la première personne, ça lui a enlevé, en fait, un zoom qui prend un peu de temps. Et donc là, juste ici, ce qu'on est en train de voir, c'est le grenouille vectoring. Alors, qu'est-ce que c'est le vectoring dans le jeu? Tout va très vite, hein, c'est difficile de tout commenter, mais... Qu'est-ce que c'est le vectoring dans Mario Odyssey? En gros, si vous voulez, c'est quand on est dans les airs. Encore une chose qui se passe ici, le left side. En gros, si vous voulez, quand on est dans les airs, et que Mario se déplace de biais, en fait, je sais pas pourquoi, mais il va gagner un peu plus de vitesse. Et donc là, du coup, avec la grenouille, si on se déplace pareil un peu de biais, bah la grenouille va gagner un peu plus de vitesse et ça gagne quelques secondes. Et là, pareil, le boss s'est fait très très rapidement avec notamment des lancers de capi donc en spin. Donc c'est ce qu'on appelle les spin throw. En fait, c'est ce qu'on obtient en lançant comme ça, vous savez, la manette de cette manière-là, donc soit vers la gauche, soit vers la droite. Et bah ça lance capi vraiment très rapidement à une certaine distance. Ça peut être vraiment littéralement la méthode la plus rapide. Et donc là, du coup, on termine Cap Kingdom, le premier royaume, en seulement 2 minutes et 14 secondes, c'est abusé, je sais pas si vous vous rendez compte. Je crois que dans le record du monde, il termine genre à peine en 2 minutes 18, je crois. Donc là, 4 secondes sur un royaume aussi court, où il y a tellement peu à optimiser, c'est vraiment pas grand chose. Donc là, comme vous voyez, là, ici, le nombre de lunes requises, c'est 5, très exactement, donc tout va bien. Alors là, ils vont faire un truc, voilà, ils vont clip, voilà, ils vont pas utiliser le chomp ici. En gros, ils vont clip, il y a une texture où vous pouvez vous faufiler, sans même, voilà, il faut juste faire tourner Mario, donc comme le spin pound. Et alors il va rentrer dans une petite texture et vous pouvez re-choper, voilà, littéralement la lune par en dessous, sans même utiliser le chomp. Mais par contre, c'est vraiment précis, du coup c'est pour ça que habituellement on préfère utiliser le chomp sans prendre de risque là, mais là c'est littéralement la run la plus avec les trucs les plus risqués. Alors là il est en train de faire le DSS, le Dino Skip Skip, donc ça lui évite de faire tout le tour pour aller chercher le dinosaure. Et il fait des triple jumps, il a fait littéralement un jump sur un pixel sur le mur, et c'est très très précis. Il faut savoir que la plupart des runners de ce jeu, ils reset vraiment la moitié de leur run. Les très très gros joueurs, très très gros speedrunners, ils reset plus de la moitié de leur run vraiment sur ce trick là. Parce que vraiment le saut qu'il vient de faire, le Dino Skip Skip là, en fait il faut vraiment sauter sur un pixel parfait. Donc ça, c'est vraiment super chaud. Alors ça, pour ceux qui savent pas, l'optimisation de ce boss, voilà, en fait là on saute dessus avec un backflip et on donne un petit coup avec Capi qu'on a posé au préalable pour lui enlever le chapeau dessus. Et alors pour ceux qui savent pas, pour la petite anecdote, en fait c'est moi qui ai découvert qu'on pouvait annuler l'animation justement de Madame Broodle qui balance son chomp comme ça, qui tourne en même temps. Et c'est moi qui ai découvert par hasard littéralement que en fait on pouvait annuler cette animation en sautant dessus, en faisant un backflip quoi, en faisant un saut perdu arrière. Et j'ai trouvé ça par hasard. Enfin, de toute façon je pense que je vais vous mettre un clip
dans le montage. Oh, what? Oh, mec, j'ai trouvé une strat. J'ai trouvé une strat plus rapide. Ah, oh, j'ai trouvé une strat plus rapide. Nice. C'était un grand moment et c'était vraiment à l'époque, quoi. C'était une semaine après que le jeu soit sorti. Parce que c'était là où j'avais commencé à speedrun le jeu. Donc là, vous voyez, on est déjà à 4 lunes. Il nous en manque plus qu'une seule. En théorie, on a une juste à côté avec un petit coffre. Vous allez voir, il va faire encore une autre dinguerie, je pense, à base de... Il va clipper dans le mur. Alors, je vais vous expliquer ça juste après pendant la cinématique. Voilà, donc là, en théorie, là, il est dans le mur, mais on le voit pas encore. Voilà, et donc là, hop, il arrive directement, vraiment en 2 secondes, frère, au globe de l'Odyssée. Et alors, vraiment, pour l'instant, les deux premiers royaumes que vous avez vus, vraiment, c'est rien comparé à ce que vous allez voir, notamment le royaume des sables. Là, juste après, vous allez voir, c'est une pure dinguerie. Il se passe des trucs, j'avais jamais vu ça auparavant. Donc là, en gros, si vous voulez, le clip qu'il vient de faire, en réalité, en fait, il faut, au moment où Mario va choper, au moment où Mario chope une lune, il faut appuyer sur Capi tout en étant en train de faire un backflip. Et en fait, si t'appuies sur Capi au bon moment, il va y avoir un décalage entre la position réelle de Mario et la position de Mario pendant la cinématique, justement, il chope la lune. Et du coup, ce qui fait que ça le fait rentrer dans le mur. Et donc là, il l'a utilisé une première fois, ça fait gagner... 1 seconde, 2 secondes, là, celui-ci qui l'a fait. Et vous verrez, en théorie, il le réutilise dans Wooded, quoi, dans le royaume des forêts. Même moi, dans mes runs, je l'utilise. Et ça, pour le coup, ce clip-là, il gagnera plutôt 25 secondes. Donc là, vous verrez, le royaume des sables, ça va aller très très vite. Donc là, ici, ils vont mettre la graine. Alors, encore une fois, les graines, il y a les méthodes de... voilà, il y a les méthodes qui sont un peu compliquées. Je vous invite à aller voir le pass bin en anglais si vraiment ça vous intéresse. Mais en gros, si vous voulez, c'est vraiment des manipulations de l'heure interne de la console. Donc vraiment, il n'y a pas de grosses prouesses. C'est juste, ils manipulent l'heure interne de la console avec des délires d'heure d'été. Ils essaient de le timer au pixel. Donc là, pareil, une roulade, mon gars, qui a fait rentrer très très rapidement là-dedans les tuyaux, l'appareil. Je sais pas si vous vous rendez compte le nombre de boutons qu'il faut appuyer là pour arriver aussi rapidement à la lune que ce que Tyrone a fait là pour arriver à la lune cachée. Mais ouais, encore une fois, un spin pound, on part en roulade. Ah oui, ici un triple jump pour choper l'oiseau et on temporise le plus possible, voilà, avec plein d'animations dans les airs avec Mario pour pouvoir choper la lune sans remettre le pied au sol et rester dans les airs. Ouais, c'est plutôt abusé. Donc là, encore une fois, il a fait un spin pound. Ce qui est bien avec les spin pound, vous savez, c'est le genre de saut, le saut chargé, mais quand Mario, il tourne. Et alors, en fait, ce qui est bien avec ce déplacement, c'est qu'en fait, vous pouvez le faire pendant une roulade, pendant une cinématique, et vous pouvez commencer à tourner votre joystick avant, en fait. Et c'est ça l'astuce, en fait. C'est pour ça que les speedrunners le font partout. Alors là, il va faire la drame. Donc là voilà, il a balancé Capi, il a laissé Capi en hauteur exprès, et donc là du coup, après avoir chopé la lune, il va secouer sa manette, et ça va capturer le billball qui était juste au-dessus. Ça, c'est quelque chose qu'on fait dans nos runs, un peu différemment. Là, il le fait vraiment de manière très 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 rapide. Là, voilà, il balance directement pour aller chercher le billball directement. Voilà, là, il va choper d'abord cette lune, mais il a quand même débloqué l'autre lune avant avec la boîte qu'il a cassée, il va y revenir après. Là, il est en train de faire ce qu'on appelle le reverse jaxi skip. Alors, ça va très très vite. Habituellement, en fait, sur les routes un peu plus safe, on va utiliser un billball pour arriver jusqu'ici avec un saut assez précis. Là, on s'en fout, on fait littéralement un triple jump directement ici. Et alors, donc là, on va choper, voilà, avec des sauts très précis, on va choper celle-ci de lune. Et alors là, en fait, on voit pas, mais il est en train de manipuler un billball. Voilà, juste ici, il vient de casser littéralement la pierre qu'il y a juste devant avec la lune. Et on n'a pas vraiment vu le billball, mais on a vu littéralement la pierre se casser. Donc là, voilà, des déplacements très précis, un capi bounce, littéralement, qui est vraiment au pixel près. Et alors là, vous allez halluciner. Alors, regardez-moi ça, il clip dans le mur juste ici. Il chope la lune juste ici. En théorie, il me semble qu'il va rentrer dans le sphinx aussi pour avoir de la thune et une dernière lune. Voilà, c'est abusé. Alors, le clip qu'il a fait juste avant, c'est un clip qui est très très difficile à faire. C'était un clip qui était vraiment beaucoup plus simple à faire à l'époque. Mais il a été patché en théorie en 1.3, donc c'est la dernière version. Là, c'est sur la version sur laquelle ils sont en train de run. Et il faut savoir que c'est toujours possible en 1.3, mais c'est beaucoup plus difficile. Genre, vraiment beaucoup plus difficile.
Et là, bah, ils l'ont quand même fait, genre, mais c'est vraiment le genre de truc, c'est... Le clip, là, que vous venez de voir au niveau de la glace, c'est quelque chose que les top players ne tentent jamais. Enfin, c'est super difficile. Voilà, c'est une run parfaite. C'est pour imaginer à quoi ressemblerait une run si vraiment les joueurs y jouaient parfaitement et qu'ils prenaient tous les risques possibles et imaginables. Donc, c'est abusé. Moi, je trouve ça incroyable, la route qu'il fait dans Sand. Que il va, il revient, il va même pas à l'Oasis, parce qu'il me semble que dans la route plus habituelle de Royaume des Sables, on va à l'Oasis, vous savez, avec les notes notamment, etc., avec les petits palmiers. Donc alors ici, on va aller d'abord au Royaume du lac, puisque c'est le premier choix, donc c'est plus rapide de simplement spammer A, même si on pourrait éventuellement aller à Wooded d'abord, mais ça nous fait gagner une seconde, donc... De toute façon, dans tous les cas, il va falloir faire les deux royaumes, encore une fois, hein, il faut le nombre de... L'une requise à droite du nom du runner, là, pour pouvoir arriver au royaume qui suit. Mais je pense que je vous apprends pas grand-chose en disant ça. Donc alors voilà, là, il chope une petite lune, il place le capi de manière à faire un capi bounce directement. Et alors là, il va faire des roulades en flirtant, vraiment, poil de fessier avec les Goombas. C'est abusé, ça, je trouve. La petite zipette directement dans la lune. Et là, il va faire ce qu'on appelle le leg clip. Où il va se placer très précisément. Et alors, je pense qu'il le fait à une vitesse ahurissante. Oh là 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 là. Parce qu'il faut savoir que en run normal, même les meilleurs joueurs de Mario Odyssey, ils font un setup pour choper l'angle, pour faire le clip, parce que c'est vraiment un angle et une position très précise pour pouvoir faire clipper d'abord Capi, puis ensuite faire clipper Mario dans le mur. Et là, mec, il l'a fait sans setup. C'est d'une rapidité déconcertante, quoi. Vraiment. Vraiment, vraiment. Donc là, hop, petite roulade qui fait passer par-dessus petit rebord. Petit ground pound into un genre de plongeon pour arriver direct dans la lune. On va choper du coup le petit poisson. Et le fait de faire le leg clip, ça nous évite d'aller faire le boss Rango. Le Broodle, vous savez, qu'on est censé faire. Là, du coup, on va juste choper cette lune là, juste ici. Et ensuite, il y a une autre lune qu'on va choper. Avec une habitante de ce royaume à qui on va parler. Et vous verrez qu'on lui parle de manière assez... assez inhabituelle, je dirais. Regardez, là, hop, Mario parle à un mur, mais on la voit quand même à droite. En théorie, on est censé aller dans la salle avec elle. Mais là, c'est encore une fois, c'est... Il fait des petits tricks de caméra. En fait, il met sa caméra et il met Mario vraiment dans une position assez précise. De manière vraiment à ce que la caméra elle rentre un peu dans le mur en fait. C'est pas très très dur à faire, mais ça gagne pas tant de temps que ça, donc vaut mieux à la limite pour jouer, pour être safe, vaut mieux en run normal aller directement lui parler quoi. Mais ouais, on lui parle à travers le mur et on a déjà terminé Lake Kingdom en 2 minutes 40. C'est abusé frère. Ah oui, alors parfois bien sûr, vu que c'est chaque runner... Parfois, c'est sur leur stream hein, respectif. Et parfois, voilà, ils mettent des jolies petites images en surbrillance comme ça, quoi. Ouais, non, du coup, enfin, c'est vraiment, ils s'en foutent de qu'est-ce qu'il y a sur l'écran ou pas. Vraiment, ils prennent juste les meilleurs segments, les plus rapides jamais enregistrés sur Mario Odyssey, parce que je vous rappelle encore une fois, tout ça est réalisé par des humains. Et non, la vidéo n'est pas en accéléré. Là, vous voyez, par exemple, la qualité est un peu moins bonne, mais encore une fois, on s'en fout. Vraiment, tout ce qu'on veut, c'est la rapidité extrême. Donc là, pour l'instant, pas grand-chose à dire. C'est un peu comme les run any% classiques. On va choper la pierre et on touche le lapin en même temps et on explose la pierre. Alors là, il est rentré à la première personne avant de parler au vendeur. Et encore une fois, là, ça fait gagner un tout petit peu de temps parce que ça commence le dialogue avec le vendeur vraiment instantanément. Donc là, encore une fois, à chaque fois qu'on a zéro de vitesse pour se lancer, souvent on fait des spin pound. Alors là, il vient de faire ce qu'on appelle un shrine bounce. Et alors, un shrine bounce, en gros, si vous voulez, c'est un rebond sur Capi, donc comme ce dont on a l'habitude de voir. Mais en fait, c'est vraiment, tu le lances en étant très très proche du mur. Et c'est-à-dire que la distance que tu vas lancer Capi va pas être la plus grande, mais elle va être suffisante. Pour qu'elle soit à mi-chemin entre Mario et le mur, elle va être suffisante pour que tu puisses rebondir dessus. Alors là, il fait du setup très très rapide pour le nut clip. Donc là, encore une fois, c'est la même manip qu'on avait vu à Cascade Kingdom, au Royaume des Cascades. Là, encore une fois, mais c'est vrai que ça va super vite. J'ai même pas le temps de vous résumer tout ce qui se passe là. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Habituellement, on ne le fait pas
aussi rapidement, on fait des setups, vraiment on prend beaucoup plus le temps d'avoir la bonne position, le bon angle. L'appareil mec, il arrive directement sur la barrière et il fait un spin pand pour choper la putain de noix juste derrière. Abusé. Encore une fois aussi, entre les splices, entre les différents cuts, les différents coupures des différents runners, on peut voir que la caméra est pas identiquement la même, parce qu'encore une fois, voilà, c'est des clips qui sont mis bout à bout. Mais vraiment, ils ont vraiment, en fait, c'est-à-dire qu'à chaque fois, systématiquement, l'angle, etc., c'est plus ou moins le même. Enfin, la position, elle est vraiment super bien respectée, donc vraiment, ne soyez pas confus. Ne soyez pas confus par ça, vraiment tout va bien, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ah oui, alors là, il reste carrément sur le dessus du... Non mais ça, je trouve ça incroyable. Il reste sur le rebord à droite du plafond, et il peut même se permettre de faire ce qu'on appelle un... Enfin, de faire littéralement un spin pound, alors qu'habituellement on fait un ground pound classique plutôt ici. Là, il fait un setup super précis, il arrive, il fait directement un triple jump, pour ne même pas avoir à choper... La plante piranha, et là il vient de choper cette noix avec ce qu'on appelle le insta-nut. Alors le insta-nut, c'est en mode tu rentres vraiment en plein dedans dans la noix, mais tu ne bonks pas. Vous savez, le fait de bonk, c'est le fait d'avoir une petite animation de Mario qui est un peu stun, il est un peu immobilisé le temps d'un instant. Et je sais pas pourquoi, mais on sait pas vraiment, mais quand t'as un bon angle ou quoi, ça passe nickel. Genre on peut casser la noix sans qu'il y ait de bonk. Alors là encore une fois des manips avec la capture de l'oignon. Il faut savoir que là vraiment les captures de l'oignon elles se font super vite par les runners parce qu'en fait ils secouent et en même temps ils manipulent avec B pour pouvoir l'arrêter au moment où ils veulent. Donc du coup vraiment ils montent très très vite l'oignon, ça va super vite. Ah, donc là on va pas faire le boss à la fin. Puisqu'encore une fois les cinématiques et tout c'est super long, les mêmes raisons que pour Lake Kingdom. On va terminer par deux autres lunes qu'on va faire juste ici dans ce tuyau. Et vous allez voir, ça va aller très très vite. Je n'avais jamais vu, parce qu'en fait il faut savoir que c'est une, voilà, le cycle de l'eau qui monte, c'est un cycle qui n'est pas RNG, c'est toujours le même à chaque fois que vous rentrez dans ce tuyau. Et je n'ai jamais vu, genre je savais même pas que c'était possible de le terminer aussi rapidement. Regardez le cycle qu'il arrive à attraper. Là il lance Capi, il le récupère. Vous avez vu, il a lancé Capi dans les airs, et au moment de le récupérer, il a appuyé sur B pour avoir un saut un peu plus haut, ce qui lui a permis d'avoir tout juste la hauteur pour arriver vraiment, et économiser un cycle, et vraiment, genre, même les top players. En vrai, si je pense qu'aujourd'hui, maintenant, ceux qui visent le record du monde, ils font peut-être ce cycle-là, du moins, ils le tentent, mais je vous assure que la majorité des gens ne font vraiment pas ça, quoi. Enfin, moi, dans mes runs, j'attends un peu plus. Et encore... Ah, la petite caméra Gerbotron là de la part de XDXbox Jaja. Et encore, moi j'attends encore un peu, mais franchement ça reste super opti. Hein. C'est juste que là vraiment c'est la run parfaite. Hein. Enfin, faut vraiment pas se leurrer quoi. C'est. Y'a rien à dire quoi. Y'a rien à dire. Enfin, si, y'a à redire, vu que maintenant aujourd'hui le meilleur temps théorique serait à 54 minutes et 47 secondes. Mais on attend la prochaine vidéo qui sera montée par la communauté avec impatience en tout cas. Et on papote, mais en moins de 17 minutes, on est déjà à Cloud Kingdom, le pays des nuages. Donc on va avoir le fight avec Bowser. Alors là, un petit boost, vraiment, avec la plateforme du nuage. Je sais pas si vous l'avez vu rapidement, mais c'était incroyable. En fait, tu positionnes Mario d'une manière assez précise. Et au moment où tu vas faire spawn le bloc de nuage, bah en fait, ça va le déplacer. Ça va lui donner un petit boost de vitesse qui lui permet d'arriver directement là. Alors là, juste ici, on l'a pas forcément vu, c'était assez discret, mais il a chopé... le pixel, le Luigi de pixel. Donc là, en haut à gauche, on peut voir ces pièces qui montent. Donc ça va lui être nécessaire pour choper des lunes par la suite. Donc là, encore une fois, il fait la strat plus ou moins, j'ai envie de dire, classique sur Bowser. Donc à chaque fois, donc là, il prend un dégât intentionnel. Et à chaque fois, au moment même où il va lancer son chapeau, en fait, on saute, on se met par-dessus et on lance Capi au moment où lui lance son Capi à lui, donc sa casquette. Et même à chaque fois, on va frapper Bowser d'un angle précis, de manière à ce qu'à chaque fois qu'il saute, il se déplace que d'une case. Parce que vous savez, il y a Cloud Kingdom, il est entouré de plusieurs genres de cercles. Et en gros, on va essayer de le frapper d'un angle précis pour qu'il fasse qu'un saut de une case. C'est vraiment optimisé à ce point-là. Vraiment. Alors vous allez voir, Lost, il n'y a pas de gros skip, mais tout est optimisé au poil. Genre là, vous allez voir... Bah alors d'abord là il faut pas, il y a le trigger de Klepto, vous savez c'est l'oiseau qui nous vole Capi. Donc là Capi bounce directement setup, là ça passe juste à droite. Et là hop spin pound, oh là mec c'est tellement rapide. C'est tellement rapide. Ah je fais pas ça aussi vite.
Oh là 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 là, mais ça pareil, il flirte avec le danger là. C'est-à-dire que s'il tombe, il meurt dans la purée violette. Ils prennent la purée en pleine face. Donc là, encore une fois, des triple jump dans des spin pounds pour pouvoir choper les lunes directement. Voilà, là vraiment, c'est des déplacements capi dive et des plongeons enchaînés très très rapidement. Alors là, voilà, on passe juste à côté de Klepto. C'est lui, Klepto, c'est l'oiseau. Et c'est très très important parce que le fait de passer juste à côté de lui, ça va désactiver son trigger. Donc du coup, il pourra plus nous prendre Capi tant qu'on ne meurt pas. Alors là, il va choper... Alors, il a donné Capi au scarabée. Il chope la lune ici. Il va remonter et voilà. Il a tout juste le temps d'avoir l'angle pour que le scarabée, il chope directement cette lune dans la pierre. Et donc là, il va faire un triple jump. Il va atterrir sur le petit rebord juste à droite. Et il fait même un spin pound pour arriver directement dans la lune. Ce triple jump là, on le fait en run normal. Mais le spin pound qu'il a rajouté, vraiment, c'était juste pour flex. Hein. Alors là, ouais, ça c'est incroyable. Il chope la lune juste en dessous du pont. Il balance Capi en l'air. Comme ça, c'est un up throw, ça s'appelle. Il reste appuyé du coup sur le bouton de Capi pour qu'il reste dans les airs. Et du coup, ensuite, il fait un dive pour pouvoir rebondir dessus et ça lui donne la hauteur nécessaire pour pouvoir remonter sans même faire un wall jump. Je trouve ça abusé. Et on a déjà terminé Lost Kingdom en moins de 2 minutes. Rendez-vous compte. Combien de temps avez-vous pris sur votre premier gameplay pour Lost Kingdom? Et alors, pour l'instant, tout était très bien. Hein, tout se passait très très bien, mais... Sand Kingdom était incroyable, Wooded, etc. On a été très impressionnés. Mais avez-vous vu Metro Kingdom? Vous allez voir le royaume... je sais plus comment ça s'appelle en français. Le royaume... la ville, quoi, de Mario Odyssey. Vous allez voir, surtout dans Day Metro, enfin, surtout dans la partie où il fait jour, il va y avoir beaucoup d'optimisation. Il va y avoir des choses que les gens ne tentent pas dans les runs classiques, parce que c'est beaucoup trop risqué ou quasiment infaisable. Vous allez voir, c'est incroyable. En tout cas, là, vous voyez, enfin, les déplacements sont parfaits. Là, ils arrivent à faire un triple jump, à arriver directement ici. Genre, littéralement, ce jump-là, il faut savoir qu'habituellement, pour arriver à cette lune, d'abord, on passe par-dessus pour pouvoir avoir la distance nécessaire. Là, mec, c'est abusé. Là, même... J'ai même pas les mots pour dire tout ce qui se passe à l'écran. Il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Tout se passe très, très vite. Là, alors... Encore une fois, là, ici, c'est une salle avec des cycles sur les plateformes. Donc là, hop, il arrive sur la plateforme à gauche. Là, encore une fois, il a fait deux Shrine Bounce. Encore une fois, vous savez, c'est les capis dive, vraiment, qui sont contre le mur. Donc là, il rebondit en wall jump contre le mur avec le poteau sur lequel il grimpe. Et donc là, il fait un long jump d'ici et ça passe vraiment, vous avez vu. Mario, il arrive tout juste sur la barrière. Il faut vraiment adapter. En plus, il faut savoir que la caméra ici a été imposée. Donc il faut vraiment que tu t'adaptes à tourner ton joystick en fonction de la caméra qui tourne. C'est vraiment au poil de cul parce qu'il faut savoir que en théorie, ce jump, on le fait, mais depuis la petite plateforme un petit peu surélevée depuis la droite, quoi. Ah oui, alors là, du coup, vous allez voir... Bon, pas grand-chose à dire sur ce... Sur ce Mecha Wiggler, ça s'appelle. Sur ce boss-là. Donc, encore une fois, voilà, on manipule le boss de manière à ce qu'il reste le plus possible dans les murs. Donc, c'est pour ça qu'il met le tank dans les coins. Ça, on le fait dans les runs classiques, hein, y a rien qui change. Mais alors là, vous allez voir, ce joueur-là, la Ganon Slayer, il a eu une RNG, une chance incroyable. Regardez-moi ça. Comment il touche le deuxième cycle? Parce que si vous êtes très... Enfin, le mieux qu'on puisse faire, c'est le deuxième cycle sur ce boss. Regardez-moi ça, là. Hop! Vous avez vu? Il avait oublié de toucher la première boule, littéralement, la boule qui est en tête du Mecha Wiggler. Sauf que il a visé toujours au même endroit. Et la première boule, elle est repassée à l'endroit où il visait. Enfin, il a eu une chance incroyable. C'est super rapide. Là, il faut savoir que c'est pas que de la manipulation, c'est pas que des risques, etc. Encore une fois, c'est les meilleurs segments ever. Donc c'est vraiment des segments... En plus d'avoir tous les risques possibles et imaginables, il y a aussi que des réussites sur ces risques-là. Et en plus, il y a de la chance. Donc vraiment, c'est vraiment quasiment la run parfaite, quoi. Et donc voilà, du coup, on a déjà terminé Night Metro, la partie de la nuit de Metro, du royaume de New Donk City. Il y avait pas mal de petites optimisations, mais grosso modo, dans la logique de la route, de l'ordre des lunes à prendre, ça reste plus ou moins la même chose. Là, vous allez voir, c'est très très différent. Donc encore une fois, il va prendre une graine, là, juste après.
Encore une fois, c'est grâce à la manip des graines dont je vous parlais, donc encore une fois, des modifications de l'heure de la console. Et alors là, je m'y attendais tellement pas quand j'ai découvert ça pour la première fois, mais il clip littéralement, juste avec un roll cancel, c'est-à-dire qu'il annule sa roulade. Alors là, pareil, les mouvements sont abusés, regardez-moi ça. Genre, il place Capi à des endroits très précis, et il arrive à refaire un spin pound pour faire un Capi bounce de Capi, littéralement. Parce que pour faire un Capi bounce depuis Capi, en fait, il faut vraiment que Capi il soit à ras du sol. Et en fait, quand tu sais que t'as réussi un Capi bounce, en fait, tu peux faire un Capi bounce, puis plonger sur Capi. Mais si t'as raté ton Capi bounce, tu vas avoir une hauteur beaucoup plus petite. Et tu vas pas pouvoir replonger sur Capi. Là, en l'occurrence, il a pu. Là, regardez-moi ça. Capi, il est déjà sur le poteau. Genre, vraiment, c'est à la seconde près. Genre, au moment où il chope la lune, Capi est déjà sur le poteau sur lequel il se dirigeait juste après. Donc là, encore une fois, le scooter clip. On prend le scooter, on tilt la manette sur la gauche et le stick vers la gauche aussi. Ce qui fait que, du coup, Mario, il a la tête, la hitbox dans le truc. Donc là, encore une fois, Capi, il est directement sur le poteau. C'est abusé, hein. Hop, on arrive directement sur le banc. Encore une fois, vraiment, des petites optimisations, des micro-optis à base de spin pound, de capi bounce dans tous les sens. C'est vraiment millimétré, hein. C'est vraiment... Rendez-vous compte, c'est ce genre de strat. Enfin, les strats capi bounce, on les voit... Enfin, je les vois pas même dans le record du monde. Ok, donc là, du coup, la route va être un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire en run un peu plus classique. Du coup, là, ils vont se re-téléporter à ce drapeau-là, et alors là, je me rappelle plus forcément des dernières lunes qu'il va prendre. Enfin, si, je crois qu'il prend voilà, cette poubelle, il va prendre notamment la lune aussi sur la poutre, juste ici, qu'on a laissé de Night Petro, parce que c'est un peu plus rapide de la prendre comme ça. Et de mémoire, il va prendre la lune de la piscine, la lune du café, mais d'abord, il va aussi prendre la lune voilà, qui a tout en haut du building. Donc là, pas grand-chose à dire, si ce n'est vraiment des micro-optis. Là, encore une fois, un spin-pound pour aller beaucoup plus vite. Vraiment, à chaque fois que vous avez zéro de vitesse et que vous êtes sur le sol, c'est la méthode la plus rapide si vous voulez gagner de la vitesse. Donc là, voilà. Hop, il arrive pile-poil à l'endroit où il y a la lune ici cachée. Donc là, si vous regardez en bas à droite, il y a écrit plus que 18 lunes sur 20. Donc là, il y a 2 lunes à choper. Et alors ici, vous allez voir, il y a un move super précis où il va choper le poteau tout en haut. Regardez-moi ça, il rebondit, et là, regardez-moi la hitbox, elle est scandaleuse. On dirait même pas qu'il est sur la hitbox du poteau, mais il arrive quand même à le choper. C'est-à-dire que normalement, t'es censé le choper via les tremplins qu'il y a juste à côté de cette lune-là, là. Enfin, les poteaux pour pouvoir y arriver. Sauf que, bah... Pourquoi utiliser ce tremplin quand, avec des sauts précis, on peut directement choper la hitbox du poteau? Enfin, j'ai jamais essayé ça, personnellement, le fait de choper cette hitbox, mais... Ça m'a l'air vraiment super, super précis, quoi, vraiment. Vraiment super précis. Et on a déjà terminé Metro Kingdom en moins de 7 minutes. Je trouve ça incroyable. Genre, je crois que même le record du monde, il met quoi? Genre 7 minutes et 10 secondes, 7 minutes et 5 secondes, truc du genre. Enfin, c'est abusé, c'est abusé. On est déjà à plus de la moitié de la run. Du coup, quand on termine Metro Kingdom, c'est un peu... Ça signe un peu la moitié de la run. Donc, grosso modo, on est à mi-chemin. Là, on va d'abord, encore une fois, aller en premier au Royaume des Neiges, puisque c'est le premier choix, donc du coup, on a juste à spammer A, tout simplement. Et Royaume des Neiges, de mémoire, il y a quelques dingueries, vous allez voir, c'est vraiment insane. Encore une fois, il va surtout y avoir beaucoup de micro-optimisation, là, pareil, on recommence directement sur des roulades vraiment très, très précises, pour arriver jusqu'à Capitaine Toad, qui est juste derrière... La neige, juste ici. Un roll cancel, donc il annule sa roulade. Mais en même temps, il faut pas qu'il envoie Capi dans Toad, parce que sinon, Toad il va tourner sur lui-même et on va pas pouvoir lui parler instantanément. Donc il a même fait exprès de mettre Capi un peu plus sur la gauche. Donc là, en théorie, il va faire hop, roll cancel, il va arriver directement. Bon, ça, en théorie, les mouvements ici aussi, je le fais dans mes runs. Pas grand-chose à dire. Bon, pas aussi bien, bien sûr, mais on a l'idée. Alors là, waouh, ok, ici habituellement on fait pas de roll cancel, ok, d'accord, il chope la lune directement aussi rapidement. Ah, si, là vous allez voir des petits, bon, alors là d'abord il va choper la lune du magasin, vous allez voir des sauts assez précis juste après, là, en théorie, avec le tremplin du marchand de glace, là. En fait, il va arriver sur le bord de la barrière, il va ressauter par-dessus, et pareil, ensuite, il va...
il y a un chemin normalement à suivre, sauf qu'il va pas couper, il va couper littéralement. Là vous voyez, il arrive sur le bord de la barrière, il a juste à tourner Capi. Et là encore une fois, ah non, il coupe quand même. OK, pardon, ça c'était une strat de player, my bad. Donc là hop, il chope cette lune. Alors ici encore une fois, c'est la strat pour pouvoir clipper dans les murs comme je vous l'ai raconté. Où on a juste à appuyer, enfin, dans un backflip, on doit appuyer sur le bouton de Capi en chopant une lune au bon moment. Et donc là, il a clippé dans le mur pour arriver directement dans cette zone. Alors là, ici, vous allez voir en théorie le triple jump timé parfaitement, voilà, qui lui donne l'inertie parfaite pour être pile poil au bon endroit, pour pouvoir faire un plongeon dans un spin pound qui lui permet instantanément d'avoir la lune. Alors là, ici, il va laisser volontairement un spiky. Et en fait, quand on laisse un seul spiky, là, le monstre, et que au moment de le tuer, on est vraiment juste à côté de la lune, en fait, on va gagner genre 1 à 2 secondes de la caméra qui zoome encore une fois. Donc c'est vraiment des mini-optimisations comme ça, mais qui font vraiment leur différence. Et c'est le genre de truc qu'on peut pas vraiment se rendre compte aussi si on te l'explique pas, quoi. Ou si tu compares vraiment des gameplays côte à côte. Donc là, waouh, il est rentré dans le tuyau en faisant une petite roulade depuis un plongeon. Oh, ah oui, ici, alors d'abord, il chope cette lune-là sur un saut assez précis avec du vectoring, on a pu le voir. C'est ce que j'ai expliqué au début de la run avec la grenouille, où t'es un peu de biais dans les airs. Et en fait, ça te permet de choper un peu de distance, un peu d'horizontalité. Et alors là, juste ici, il va choper un clip que même le record du monde ne fait pas, hein, vous allez voir. En théorie, pour pouvoir rentrer dans ce mur, t'es censé actionner un interrupteur avec les 4 Goombas, sauf que lui... Voilà, il arrive sur un endroit précis de la texture, avec un angle précis sur le mur, il y arrive, et dans le coin, si t'y arrives, bah tu passes comme ça, quoi, tu passes comme ça. Alors ici, la Snowdram, encore une fois, c'est un saut qui est même pas censé être possible, mais c'est quand même un saut que pas mal de gens font dans leur run. Mais vous savez, en théorie, voilà, cette plateforme-là, elle est censée s'accéder seulement via un tableau qu'on trouve dans un autre royaume, et qui du coup nous donne l'accès... sur cette plateforme là, sauf que là en fait si vous faites des sauts très précis, encore une fois avec le vectoring, parce que sans vectoring je crois que c'est quasiment impossible de faire ce jump là. Et encore une fois voilà, si on abuse un peu du vectoring, on peut arriver vraiment au poil de cul sur cette plateforme. Et je trouve ça incroyable, et ça fait quand même un petit bout de temps qu'elle a été trouvée cette strat. Ah super, vous avez l'input viewer, incroyable. Et donc du coup on a déjà terminé Snow Kingdom en moins de 4 minutes. Non, même pas, en 3 minutes et 10 secondes, quoi. C'est très grave. C'est très, très grave. Là, on va avoir Seaside. Alors, Seaside, je crois que c'est déjà l'un des royaumes les plus rapides avec Lost Kingdom. Je crois que Lost Kingdom, c'est le plus rapide. Ah non, c'est Cap Kingdom. Lost Kingdom, Cap Kingdom, puis Seaside. Et que Seaside, vous allez voir, c'est méga optimisé. Tout va très, très vite. Là, voilà, triple jump. Encore une fois, un Shrine Bounce dans un... Dans un putain de... Waouh, il y a beaucoup, beaucoup d'input à la seconde. Dans un spin pound qui va faire un capi bounce, qui va lui permettre d'arriver à avoir assez d'auteur. Alors là, regardez bien, il y a énormément d'input en très, très peu de temps. C'est-à-dire qu'il doit tourner le stick, il doit sauter avec B, il doit appuyer sur Y pour faire partir, il doit mettre le stick vers la gauche. Ensuite, il doit appuyer sur X et A pour annuler la roulade. Ensuite, il doit sauter... Ensuite, il doit retourner le stick, et ensuite, il doit re-ground pound. Et ensuite, il doit re-sauter pour choper la lune. C'est tout ce qu'il a fait en vraiment une fraction de seconde. C'est abusé, je trouve ça incroyable. Je sais pas comment des humains peuvent faire ça, quoi, vraiment. Et en plus, c'est vraiment une opti pour gagner genre 0,03 secondes, quoi. C'est des malades, hein. Y a vraiment des malades dans cette communauté qui sont prêts à... Bah, passer des heures à juste faire un segment qui est 3 centièmes plus rapide, quoi. C'est ça aussi le best theoretical time. Parce que parfois ils prennent des clips de run, c'est-à-dire de juste vraiment le runner a été très rapide dans sa run classique. Mais parfois c'est vraiment voilà, juste des mecs qui essayent juste d'avoir un segment qui rentre dans le BTT, quoi, dans le best theoretical time, dans le meilleur temps théorique. Donc là pas grand chose à dire, hein, c'est des petites optimisations avec le poisson. Alors il faut savoir que le fait de tourner comme ça avec le poisson de temps en temps, ça nous donne pas vraiment un boost de vitesse, mais ça nous permet de mieux gérer nos directions. Et vraiment les trajectoires en poisson, c'est vraiment ce qu'il y a le plus intéressant à optimiser. Alors là juste ici vous allez avoir le clip avec le poisson qu'on fait aussi dans nos runs. Voilà, ici on arrive juste derrière une genre de barrière qui nous pousse, et en fait on rentre dans des textures qui
apparemment, enfin, il y a des textures, mais il n'y a pas de hitbox, en fait, parce qu'on est derrière une barrière qui nous pousse. Et alors, il paraît assez dur, mais en réalité, il ne l'est pas vraiment. Et du coup, alors là, du coup, avant de rentrer dans cette loading zone, avec simplement, on secoue la manette, et en fait, quand il secoue la manette, il fait une attaque, le poisson, et en fait, ça fait une hitbox qui lui permet de choper des lunes dans la hitbox de son attaque, quoi. Donc là, c'est comme ça qu'on la chope sans pour autant re-rentrer dans les limites du jeu. Donc comme ça, c'est pour ça qu'il a pu enchaîner les deux dernières lunes là-dessus. Mais vraiment, le clip là-dessus, en poisson, sur Seaside, là, il est vraiment pas si dur que ça. Si vous avez, une fois que vous avez compris la strat, c'est pas très difficile. Il faut placer le poisson à un bon endroit. Ensuite, il faut le décapturer, enfin s'en aller. Revenir en mode Mario, quoi. Ensuite, s'en aller un peu. Il faut s'éloigner un peu du poisson et ensuite il faut le recapturer avec Capi. Si vous vous éloignez pas assez, vous allez être repoussé. Mais si vous éloignez assez, vous aurez juste à continuer et à aller juste vers le bas. Et en théorie, vous rentrez tranquille. C'est pas très difficile. Alors là, on arrive à Luncheon. C'est un très très gros bout. Le royaume de la cuisine. Alors là, ça commence directement sur un roll cancel directement. Triple jump sur le monticule de sel qui nous permet d'arriver directement sur cette... lune. Alors ce triple jump on le fait aussi hein, dans nos runs, mais pas avec ses micro-opti dans tous les sens. Là pareil, il a fait un roll cancel, il a rebondi sur le capi qu'il a balancé en roll cancel. Alors ça c'est incroyable. Ah oui, alors là du coup il fait ce qu'on appelle Spiwartless. Alors qu'est-ce que c'est Spiwartless? Spiwart en fait c'est le nom du boss qu'on était censé fight là. Vous savez c'est le lapin, le broodle qui a le chapeau violet. Enfin le chapeau bleu pardon, et qui met de la mélasse violette. Et donc là, en fait, on va totalement le skipper. Pourquoi? Parce que il nous donne... Enfin, il est assez long à battre, il nous donne qu'une lune, et la cinématique est assez longue. Donc du coup, là, il a fait un jump très précis pour vraiment outrepasser le trigger carrément du boss. Alors, vous l'avez pas forcément vu, mais c'était sur la surface assez plane. Enfin, de toute façon, si vous avez joué au jeu, vous verrez. Mais du coup, le problème, c'est que quand on fait cette strat-là, eh bien, vu que c'est une lune d'histoire, dite d'histoire, une story moon, en fait, la lune, justement, qu'on a en battant Spiwart, en fait, ça va débloquer des choses dans le monde, en fait. Et notamment, qu'est-ce que c'est censé débloquer si on fait Spiwart? Ça débloque aussi des boules de feu, en fait. Les boules de feu dans la lave que vous allez voir juste après, eh bien, du coup, à cause du fait qu'on fait Spiwartless, donc c'est-à-dire qu'on ne fait pas... qu'on ne bat pas le boss, eh bien, on va devoir faire des strats dans la lave pour pouvoir frayer notre chemin. Alors là, il y a des boules de feu, mais n'y faites pas attention. En théorie, voilà, il n'y en a pas. Enfin, c'est juste le segment, voilà, il était rapide. Il était rapide et c'était le segment le plus rapide qu'ils avaient. Et il n'utilisait pas de boules de feu, donc ça sert à rien. Ah oui, alors là, c'est très très smart. Ils utilisent... Alors là, vous vous demandez peut-être pourquoi il allait chercher le cœur. Alors là, c'est abusé, hein. Il lance Capi en hauteur, encore une fois, des ups throw. Et il secoue la manette une fois qu'il capture des fourchettes. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi est-ce qu'il a chopé le cœur au tout début. Eh bien, c'est pour la simple et bonne raison que, du coup, vu qu'il avait pas de boule de feu, on a vu qu'il a dû prendre un dégât sur la lave. Et en fait, pour chaque dégât encaissé, au moment où vous allez prendre une lune, c'est 2 secondes de perdu parce qu'en fait, il va y avoir un moment où ça régène. Donc là, encore une fois, des strats... il a littéralement réussi à faire un capi bounce sur la lave. Et là il vient de clip dans le mur pour arriver sur une loading zone juste derrière. Et là en théorie, alors il me semble pas qu'il reclip. Non, il utilise le frère casserole, n'est-ce pas. Là vous avez vu, voilà, littéralement on vient de voir là la régène justement que je vous expliquais. C'est-à-dire que là il était à 2 cœurs, donc du coup ça lui a pris 2 secondes le temps de réarriver à 3 cœurs. Donc c'est pour ça qu'il l'a... Qu'il avait pris le temps de prendre un cœur dans la room des fourchettes. Donc là, il prend le navet doré, il va le balancer comme ça, hop, il va le reprendre, il va faire un triple jump assez précis, il va le rebalancer, voilà, pour pouvoir le remettre juste ici. Il va reprendre aussi l'autre navet doré juste ici, il va faire les 2 navets dorés quasiment en même temps. Encore une fois, du coup, vu qu'il n'y a pas les boules de feu, etc., on est obligé de faire plein de choses différemment dans cette route, notamment par exemple le navet là qui est à côté de la lune un peu perchée. Il est méga loin en théorie si tu fais la route où tu bats le boss, donc Spiwart, tu ne vas pas du tout la chercher celle-ci. Donc là hop, il prend celle de la boîte. Et alors autre chose qui va skipper aussi d'assez intéressant qu'on fait habituellement dans les routes un peu plus classiques, c'est le morceau de viande à la fin. Alors par contre avant d'abord faut que je vous parle de ce triple jump des enfers. Où littéralement ils sautent à l'aveugle et ils doivent lancer Capi pour faire apparaître des blocs invisibles. Je trouve ça incroyable, ils doivent atterrir pile poil sur les blocs invisibles.
Et là, vous avez vu, il a set up Capi de manière à faire un Capi Bounce. Voilà, nickel le Capi Bounce qui passe nickel. Hop, et là du coup, il rentre directement dans cette loading zone. Et du coup, ouais, vu qu'ils ont pas fait Spiwart non plus, ils ont pas accès au morceau de viande. Vous savez, c'est le morceau de viande qui nous donne accès à une multilune. Donc, trois lunes à la fois. Elle est très très facile à aller chercher, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est trois lunes vraiment qui se chopent en vraiment très peu de temps. Sauf que, bah, vu qu'il a pas eu la lune d'histoire, bah, il a été obligé de... il est obligé de faire d'autres lunes à la place, quoi. Donc ça... Cette route, vraiment, Spiwartless... Le record du monde l'a fait, mais il me semble que le clip là qu'on a vu tout à l'heure, après la room, là, après la salle des fourchettes, le clip qu'il a eu là directement dans la loading zone, il me semble que ça, enfin cette lune là, c'est pas ce qu'ils font dans le record du monde. C'est vraiment pas ce qu'ils font dans le record du monde. Alors là, en bas à gauche, c'est des mèmes. Enfin, en bas à gauche de l'écran, là, c'est un mème avec Nicroveda. Nicroveda, il faut savoir que c'est le premier runner à avoir chopé le sub hour, le fait d'avoir terminé Mario Odyssey en moins d'une heure. Et là, regardez-moi ça. Le royaume de la cuisine terminé en 5 minutes 34, je trouve ça incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire que moi, je crois que mon gold de mon meilleur temps sur le royaume de la cuisine, je crois que c'est genre 6 minutes et 2-3 secondes. C'est pour vous dire, genre, ils me mettent littéralement 30 secondes. Et moi, mon PB, c'est 1 heure, 1 minute et 48 secondes. Là, tu me diras, c'est 55 minutes et 17 secondes, c'est ça? Non, 15 secondes, pardon. Donc, c'est normal, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Alors là, on arrive à Ruined, Ruined Kingdom, le pays en ruine. Alors, pas grand-chose à dire sur ce royaume. Enfin, de toute façon, c'est le boss un peu à la classique, si ce n'est le boss Dark Souls, qu'est ce dragon, n'est-ce pas? Mais, alors, en fait, qu'est-ce qu'on va faire dans ce royaume? On va faire la strat, comment dire, classique, qui est de, voilà, d'arriver sur la tête du dragon avant même qu'il soit vulnérable. Donc, on prend un dégât volontairement, mais il y a plein de cœurs disséminés partout, donc c'est pas très problématique. Et alors, il faut savoir, petite anecdote sur ce segment BTT. Alors donc, c'est le runner qu'il a, c'est Hazer. Et il faut savoir que voilà, c'est... Enfin, Ruined Kingdom, en mode, c'est vraiment... C'est genre l'un des splits les plus simples, tu vois, genre... C'est pas... Y a pas grand-chose à faire, tu vois, sur ce royaume. Y a pas de grosses difficultés. Mais alors, on ne sait pas pourquoi, mais Hazer, il met littéralement, genre, je crois, 2 ou 3 secondes au deuxième meilleur joueur. Sur littéralement tout le boss. Mais genre les gens, ils... Bon après si vraiment t'analyses à la frame etc, si t'analyses vraiment bien en profondeur, je pense que tu peux voir les différences. Mais les gens se demandent réellement, genre la communauté, genre à chaque fois ils lui disent mec, quand ils s'adressent à Hazer, ils lui disent mec, comment tu fais pour faire un... comment tu fais pour faire un boss aussi rapide quoi. Parce qu'en plus il a même pas l'air si rapide que ça. Juste, il optimise un peu en vraiment, voilà, en balançant Capi aux épées le plus rapidement possible. Et il fait aussi, quand il peut, des spin pound à chaque fois, au lieu de faire des simples charges rodéo classiques. Mais, voilà, Hazer, c'est son royaume, Ruined Kingdom, et je pense que ça le restera pendant un bon moment. Enfin, je vois mal quelqu'un choper son segment pour le boss, parce que c'est littéralement le boss de ce royaume. On verra aussi que pour le pays de la lune, il y aura un runner aussi qui monopolisera la plupart des segments. Encore une fois, lui aussi c'est son royaume, c'est sa spé, tu vois. C'est-à-dire que il y en a certains, ils font des bac plus 5 en informatique, lui il fait bac plus 5 en Moon Kingdom, en pays de la lune, tu vois. Excusez-moi, je vais m'hydrater un peu. C'est 43 minutes de commentaries sans temps mort. Donne soif. Ok, donc nous voilà terminés avec Ruined Kingdom. Toutes les formalités sont terminées. Et là, on va arriver à Japan, le pays de Bowser, qui est présenté, quand vous découvrez le jeu, qui est présenté comme le dernier royaume. Enfin, tu penses que c'est le dernier royaume, sauf qu'en fait, non, il y en a un dernier. Classique Mario, on connaît.
Alors c'est un royaume assez linéaire, c'est-à-dire qu'on est à chaque fois obligé de choper les lunes d'histoire pour pouvoir passer à la suite. Donc c'est assez linéaire. On va pas avoir de grosses routes qui diffèrent réellement de ce qu'on a l'habitude de voir, mais là par exemple, vous voyez, littéralement le fait d'arriver directement sur cette plateforme juste avant, là, enfin pas, je vous parlais pas du dessus du temple là, mais le fait d'arriver directement sur cette plateforme là, habituellement c'est des choses qui ne se font pas. Hein, c'est d'abord on arrive un peu plus sur la gauche. Donc ça va être encore une fois un royaume très linéaire, mais avec beaucoup 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 de micro-optimisation, notamment juste ici. Vous allez voir là, c'est très très technique. Je pense que même moi, quand je fais mes runs ou même quand je regarde des records du monde, cette partie-là précise, c'est l'une de mes parties préférées. C'est ce qu'on appelle les shards, c'est les fragments de lune. Et alors, vous allez voir, il fait des acrobaties dans tous les sens, Mario. C'est abusé. Il y a des roll cancel, il y a des spin pans, il y a des roulades, il y a des... Alors là, hop, on balance Capi. On revient directement sans mettre le pied au sol. Là, roll cancel pour choper directement la deuxième shard. Ici, triple jump. On lance Capi en hauteur pour choper un tout petit peu plus de hauteur nécessaire. Et alors là, juste ici, on va s'aligner avec l'oiseau et la boîte pour que l'oiseau, il frappe au bon timing sur la bombe. Et on laisse Capi et on secoue Capi au moment où la boîte est cassée. Et comme ça, ça chope le dernier fragment, la dernière shard. Et ça nous débloque la lune. C'est abusé comment ça va vite. La strat là qu'il a fait à la fin, birdless, ça s'appelle, c'est-à-dire sans capturer littéralement l'oiseau. Cette strat, je la fais même pas. Bon, je sais que dans le record du monde, ils font, mais... moi, cette strat, je ne la fais même pas, quoi. Et si on le reste, en théorie... Dans le concept, je fais la même. Après, c'est moins optique, quoi. Alors là, c'est abusé. Il a fait un triple jump. Il a balancé Capi à côté du fil électrique. Et au même moment, il est allé choper... la lune qu'il y avait sur le toit, du coup, sans... sans Capi, quoi. Du coup, ça va super vite. Sans bonk et tout, super rapidement. Donc, du coup, une fois qu'il chope la lune, il a plus qu'à secouer Capi pour que ça revienne. Et donc là, voilà, il commence, il fait Ariette, le boss rush finalement. On va avoir Ariette à fight et Topper. Topper, c'est le lapin avec les chapeaux verts qu'on a affronté aussi à Cap Kingdom au tout début. Et donc là, on peut voir qui se met en vue à la première personne avant de lancer Capi. En fait, littéralement, si vous regardez bien, il pré-shot littéralement l'endroit où il va déplacer ses bombes. C'est-à-dire que le runner, il connaît le nombre de pas que Ariette va faire. Il me semble que Ariette, elle en fait 6, puis 4, puis 2, si tu manipules bien en fonction de la position de Mario, parce que c'est manipulable. Et du coup, il connaît aussi l'angle parfait, le timing parfait aussi, parce qu'il y a un timing à avoir, pour balancer Capi, pour que la bombe, elle soit envoyée, et qu'elle retourne à l'envoyeur directement. Parce qu'il balance Capi, il le maintient aussi dans les airs, c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'il reste appuyé sur le bouton. Donc là, pas grand-chose à dire sur Topper. Si juste il fait des sauts... Ouais, ce qui est marrant avec Topper, c'est qu'il a une hitbox un peu bizarre, où même s'il a des chapeaux sur sa tête, tu peux plus ou moins lui sauter dessus, genre devant lui, et sans prendre de dégâts. Alors ça va pas lui mettre des dégâts directement à lui, mais ça va lui enlever des chapeaux, ou alors ça va lui faire trigger plus rapidement, vous savez l'animation où il se met à plat ventre et il commence à tourner sur lui-même avec sa grosse pile de chapeaux. Donc là, c'est de ça qu'il a abusé. Et donc voilà, on a déjà terminé le boss rush de Japan. Ça va super vite. Ça va super, super vite. Donc là, reste plus que la fin. Il va y avoir des déplacements assez insane, il me semble. Aussi, on va voir le fast mecha qui va être réalisé et exécuté au poil, vraiment au poil. Pareil, vraiment, j'ai très très hâte du pays de la lune. Vous allez voir, il y a plein de choses... Encore une fois, le mec, s'il a Bac plus 5 en Moon Kingdom, c'est pas pour rien. Hein. Vraiment, vraiment. Vraiment, vraiment. Alors là, vous avez vu, encore une fois, un Capi Bounce. Plein de choses qui sont affichées sur l'écran, mais encore une fois, c'est des mèmes. Hein. N'y faites pas attention, c'est des mèmes de la communauté. Ah, c'est abusé, hein. C'est beaucoup de petites optimisations, là, voilà. Il fait exprès d'aller sur le côté gauche qui tourne, parce que c'est le côté un peu qui monte, là, enfin, de là. De la genre de plateforme qui tournait comme ça, du disque tournant. Et donc nous voilà déjà au boss, nous voilà déjà au mecha en 5 minutes. Vous imaginez ça? Ça fait même pas 5 minutes qu'on a commencé le pays de Bowser, on est déjà au mecha. Alors là, le fast mecha, vous allez voir, c'est d'une rapidité déconcertante. Systématiquement, voilà, là on passe carrément par-dessus, il va arriver directement, voilà. On fait des spin pound, hein. Qu'est-ce que c'est finalement les attaques rodéo? On fait des spin pans directement sur les bulles des Broodles. Et encore une fois, le but du Fast Mecha, pour ceux qui savent pas, c'est-à-dire que
on va battre ce boss en restant sur le mecha sans tomber et sans utiliser d'oiseau surtout. Parce qu'en théorie, on est censé utiliser un oiseau pour grimper tout en haut. Et donc là, il va faire topper en dernier. Donc là, encore une fois, il a spin pound sur Harriet. Et là, il se place précisément. Là, il fait juste un dive. C'est incroyable. Il faut savoir qu'ici, on se passe un peu plus proche de l'extrémité. Et habituellement, pour choper voilà, le dernier topper, habituellement, on fait un capi dive, un dive, puis un spin pound. Là, mec, il a juste fait un dive et un spin pound. Genre, je trouve ça abusé. Je sais même pas comment, au niveau du timing, c'est possible. Ça me trouve le cul. Je sais pas comment ils font. Et donc voilà, on a déjà quasiment terminé ce royaume de Bowser. Il ne reste plus que Moon Kingdom où vous verrez l'homme qui a back plus 5 en royaume de la lune. Vous allez voir, c'est plutôt insane. Il y a moult dingueries et moult petites optimisations sur les bords. C'est très très beau à voir. Vous allez voir. Aïe aïe aïe, incroyable. Incroyable, incroyable. Et là, en 50 minutes, aïe 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 aïe. Je trouve ça incroyable, hein. Vraiment, terminer Japan Bowser Kingdom en 50 minutes. En 50 minutes 30 quasiment, je pense, mais je trouve ça, moi de mon temps, parce que comme je vous disais au début, j'avais commencé à run Mario Odyssey vraiment une semaine après que le jeu soit sorti. Et vraiment, à l'époque où j'avais commencé à run, le record du monde, c'était quoi? C'était 1h39, je crois. Donc, j'ai eu le temps de voir les choses défiler, les temps descendre petit à petit. Parce que de 1h39 à 55 minutes et 15 secondes, il y en a eu du chemin. Il y en a eu du chemin, je peux vous le dire. Et donc nous voilà au dernier royaume, littéralement. Donc encore une fois là, à droite, il y a écrit qu'il y a 0 lune nécessaire. Et donc encore une fois, le fameux homme back plus 5 royaume de la lune. C'est celui dont je vous parlais, c'est Miles Pro 91. Donc là encore une fois, il commence directement sur des roulades, into un vectoring. Là encore une fois, c'est un vectoring, c'est le fait d'être de biais dans les airs, ça fait gagner un petit peu plus de vitesse. Et il l'a méga bien réalisé, là, vraiment. Il fait des roulades, voilà, hop, il passe le petit rebord. Il prend deux propulse-fleurs, parce que du coup, ça lui donne du boost pendant plus longtemps. Et donc là, encore une fois, il fait des petits sauts pour pouvoir choper des mini-boosts de vectoring. Et là, c'est abusé. Il fait... Vous avez vu à quel point il passe vraiment à rien, frère, sur le plongeon. Surtout que le moonskip, habituellement, on le fait en deux wall jump, en deux sauts sur le mur. Et lui, mec, il le fait en un wall jump, puis ensuite, il atterrit sur une texture vraiment très précise qui lui permet de ressauter. Et je trouve ça incroyable. Enfin, le mec, ça se voit qu'il a passé des centaines d'heures vraiment juste à optimiser ce niveau, quoi. Là, vous avez vu, il balance Capi, voilà, pour vraiment choper... le chapeau de Bowser, vraiment, pile poil quand Mario se trouve devant Bowser. Alors, encore une fois, ici, les petits cycles de la flamme de Bowser, assez obligatoire. Fun fact, d'ailleurs, pour cette attaque-là, en réalité, la flamme a l'air énorme, mais en réalité, la hitbox, c'est plus un genre de... comment on appelle ça? Ultra laser dans Pokémon. Enfin, c'est juste un rectangle, enfin pas un rectangle, c'est un rectangle en 3 dimensions, c'est un pavé quoi. Mais parfois on a vraiment l'impression que Mario il est dans le feu quoi, dans la lave qui balance, dans le feu qui balance. Mais en réalité la hitbox est vraiment rikikit quoi. Genre vous pouvez passer en dessous je crois si vous accroupissez, si j'ai pas de bêtises. Là vous voyez littéralement il est passé en dessous. c'est assez marrant. Donc encore une fois la strat de... Bon là il prend un dégât volontaire, la strat de... Avec un backflip, on arrive par-dessus le chapeau de Bowser. Et au moment où il le balance, on lance Capi pour pouvoir directement le choper sur la tête de Mario. Donc là, on saute 3 fois, puis une fois. Et on chope directement Bowser. Il reste plus que l'escape. Et vous allez voir l'escape, c'est pas des moindres. Vous allez voir les trajectoires qu'il prend, les optimisations qu'il va faire avec ses boules de feu sur la salle finale. Je trouve ça incroyable. Donc là, déjà, il commence. Il envoie 2 boules de feu. Et alors là, regardez-moi la trajectoire qu'il prend. Genre,
Regardez la trajectoire qu'il prend. Il a un pied dans le vide. Il est pile poil tout droit, quoi. Regardez, là maintenant, c'est le pied droit qui est dans le vide. Et là, il a à peine ajusté sa caméra pour pouvoir faire le triple jump juste ici. Là, il a même eu le temps de caler une petite boule de feu. Et il a sauté au moment de faire le dernier saut pour gagner un peu plus de distance. Oh, putain, oui, ça. Alors ça... Ça, c'est le 2D skip. Alors, c'est abusé. C'est d'une précision sans nom. Alors, Tyron, dans le record du monde actuel, il l'a chopé récemment. Mais je crois que c'est littéralement le seul à l'avoir chopé dans un record du monde. Il faut savoir que c'est vraiment des angles, des positions très, très, très précises. Et ça s'appelle le 2DSS, le 2D skip. Parce qu'en théorie, si vous faites, voilà, le... Enfin, si vous rentrez dans la zone normalement, vous faites ce qu'on appelle le 2D skip. Et donc là, comme je vous parlais, là, il optimise les boules de feu comme un truc de malade. C'est-à-dire que même au tout début, il avait déjà une boule de feu qui était dans la gueule. Là, vous avez vu, au moment où il se dirigeait vers le deuxième pilier, il a même eu le temps d'en balancer une boule de feu vers le troisième pilier. Et à chaque fois, il a raté zéro boule de feu. Elles sont toutes rentrées dedans. Il n'y a même pas un caillou qui vient obstruer. Et là, il a plus qu'à frapper. Il faut savoir que quand Bowser est immobile, il frappe plus rapidement. Et donc là, il a juste à capturer le fil. Et le time est maintenant à 55 minutes et 15 secondes. Je trouve ça complètement fou. C'est abusé. C'est la run parfaite, quoi. C'est littéralement la run parfaite en un joueur. Donc là, encore une fois, voilà, c'est le crédit de tous les joueurs, etc. Tous les gens qui ont contribué à faire cette vidéo, parce que c'est beaucoup... Beaucoup de travail. Il faut savoir que c'est des milliers d'heures individuellement vraiment passées à juste essayer d'avoir un segment. Et c'est vraiment les efforts combinés de toute la communauté, plus le montage de tout ça, plus le fait de répertorier tous les meilleurs temps. Enfin, c'est un boulot monstre. Là, pour l'instant, ce qu'on a maté, donc c'est le BTT 7ème édition. Continuellement, dans les speedruns, il y a toujours des nouveaux trucs qui sont trouvés, comme je vous ai dit. Enfin, si on refaisait une vidéo aujourd'hui, le temps serait à 54 minutes et 47 secondes. Donc, je sais pas quand est-ce que sera la prochaine vidéo. Mais ouais, là, c'est la V numéro 7. C'est la version 7 qu'on vient de regarder de ce Best Theoretical Time. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si jamais... ce genre de vidéo vous plaît, quoi, parce que je vous avoue que, bah, vu que j'ai jamais fait ça, ça me fait un peu peur de savoir un peu vos retours. Mais j'espère que ça vous fait le plaisir. Moi, j'ai joué plus de 1200 heures de jeu à Mario Odyssey, j'ai fait des compétitions à Speedon, j'ai fait des races avec MV, et moi, ça me fait super plaisir, voilà, de vous partager mon expérience. Voilà, merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me proposer d'autres runs sur lesquels je pourrais éventuellement commenter si jamais ça vous intéresse. Et voilà, peace, bye bye.